Côte d'Ivoire va publier. Et toi, je voulais entrer en Côte d'Ivoire. C'est quoi, c'est même temps ou c'est la vérité? Je suis à Paris. Depuis une semaine, on m'annonce en Côte d'Ivoire. Il y en a même qui disent que je suis déjà en Côte d'Ivoire. Mais la preuve, c'est que je suis encore à Paris. Je suis à cette marche-là pour soutenir, en tout cas, la première dame, Simone Gbagbo, dont on ne parle pas beaucoup, dont on ne fait pas cas dans toutes nos manifestations, dont on ne fait pas cas dans toutes nos prises de position. La première dame, Simone Gbagbo, est enfermée à la... à Odiéné. Elle est enfermée depuis le 11 avril 2011, elle est à Odiéné. Personne n'en parle. Et donc, je suis venu personnellement à cette manifestation qui concerne la première dame pour dire à M. François Hollande et à M. Ouattara que vraiment trop, c'est un peu trop quand même. Il faut la libérer, il faut qu'elle retrouve sa liberté afin qu'ensemble, nous puissions aller à cette vraie réconciliation. Mais il n'y a pas que elle, il y a le président Laurent Gbagbo. Il y a aussi les prisonniers politiques qui sont en prison, enfermés à la Maca, un peu partout. Est-ce que voilà. Vous allez en Côte d'Ivoire ou pas? Écoutez, le jour où je partirai en Côte d'Ivoire, je ferai un communiqué officiel pour dire que je rentre dans mon pays. Okay. Donc attendez que je vous informe officiellement que je rentre en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. J'y vais pour participer à cet élan qui se met en place de réconciliation qui est importante. Mais nous disons que cette réconciliation passe par certaines revendications. Si ces revendications sont en tout cas réalisées par le pouvoir en place, nous sommes prêts à aller à cette réconciliation. Donc, on attend aussi que vous êtes en deal avec Ahmed Tokayevo. En deal? Oui. Oh, je ne fais pas de deal, je ne suis pas un dealer, je ne vends pas de drogue, je ne fais pas de trucs. Je suis Abel Naki, président fondateur du CRI panafricain. Je suis ivoirien, ça ne faut pas l'oublier. Et il ne faut pas oublier que le CRI panafricain est un mouvement politique. Un mouvement politique qui est aussi implanté en Côte d'Ivoire. Donc c'est tout à fait normal que je puisse rentrer dans mon pays. Je ne suis pas en deal avec quelqu'un. Je suis en deal avec la Côte d'Ivoire, oui. Là, je le reconnais que je suis en deal avec mon pays. Ok. Merci, président. Merci beaucoup. Simone et Yves Gbagbo. Ça fait des années, bientôt 3, 4 ans bientôt, que nous demandons la libération du président Laurent Gbagbo. Et nous continuerons de demander la libération du président Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, il s'agit de demander la libération de la première dame Simone Yves Gbagbo. Simone Gbagbo est une femme africaine. Simone Gbagbo est une femme de l'ouest de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique plutôt. Simone Gbagbo est native de la Côte d'Ivoire. Cela signifie que Simone Gbagbo est une africaine. Et cet après-midi, je voudrais interpeller deux personnes. La première personne que j'interpelle ce soir au métro Château Rouge, métro qui a été destiné pour les Africains, métro qui a été banni des statistiques françaises, parce qu'on nous a dit que Château Rouge c'est chez les Africains. Mais nous sommes heureux d'être chez nous ici à Château Rouge. Est-ce que vous êtes content d'être à Château Rouge? Est-ce que Château Rouge vous plaît? Parce qu'à Château Rouge, on trouve ce qu'on ne peut pas trouver dans le 16e. Et ceux-là même qui habitent dans le 16e, ils viennent se ravitailler à Château Rouge. C'est pour cela que mon message de Château Rouge va être très important et adressé à deux personnalités importantes. La première personnalité s'appelle M. François Hollande. Je voudrais demander à M. François Hollande s'il n'a pas un peu honte ou s'il n'est pas un peu gêné de voir une camarade de lutte de surcroît qui est socialiste, qui s'appelle Mme Simone Yves Gbagbo, qui a fait partie de l'international socialiste avec le FPI. Je voudrais demander à M. François Hollande, est-ce qu'il n'a pas un peu honte de faire un voyage à Abidjan et de ne pas faire cas de la libération de Simone et Yves Gbagbo? Alors cela m'amène à comprendre que la femme est plus importante que l'homme. Parce que Simone Gbagbo est une femme et François Hollande est un homme. Mais pas n'importe quel homme, il est le président
de la République française. Chers amis, ce soir, il est important de faire un arrêt sur Mme Simone Tabou. Elle a ordonné, elle a emprisonné depuis 2011. Personne ne cite son nom. Depuis 2011, nous n'attendons son nom dans aucun discours. Depuis 2011, personne ne fait cas de Mme Simone et Yvette Gbagbo. Pourtant, Simone et Yvette Gbagbo a été députée en Côte d'Ivoire. Simone et Yvette Gbagbo a été élue à Bobo, là où on appelle aujourd'hui Bagdad. Simone et Yvette Gbagbo a été élue là-bas. Ça veut dire que c'est une femme qui connaît la politique. Elle a été présidente de la section, sinon présidente du groupe parlementaire pays à l'Assemblée nationale. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est aussi la première dame, l'épouse du président Laurent Gbagbo. Chers amis, il est important de marquer ce arrêt sur Simone et Yvette Gbagbo. La deuxième personne que je veux interpeller s'appelle M. Alassane Dramane Ouattara. Je veux l'interpeller publiquement pour lui dire, est-ce qu'il n'a pas un peu honte de maintenir une femme en prison depuis 2011? Je voudrais l'interpeller publiquement pour lui dire qu'il a un bon sens et qu'il a un cœur pour libérer Simone et Yvette Gbagbo. Chers amis, il est important que nous multiplions ces manifestations pour une femme africaine digne de ce nom. Chers amis, il y a beaucoup de femmes africaines. Il y a beaucoup de femmes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Mais celle-là, elle a bouleversé la communauté internationale. Celle-là, elle a renversé l'idéologie de la communauté internationale. Voilà pourquoi elle est encore maintenue. Mais notre mobilisation que nous faisons, et dans cette mobilisation, nous voulons associer toutes les femmes africaines. Ce n'est pas pour rien que nous sommes venus terminer cette marche à Château Rouge. Parce qu'à Château Rouge, c'est là que nos femmes se donnent rendez-vous tous les samedis pour acheter le collet, pour acheter le chikwanga. C'est ici qu'elles viennent acheter tout ça. Et nous sommes venus la trouver ici pour dire que nous allons faire le marché ensemble, pour que tous ensemble, nous puissions demander la libération de Mme Simone et Yvette Gbagbo. Je vous remercie.